Je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui revient, qui est d'actualité, surtout avec la mise sur le marché des nouvelles thérapeutiques au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et je vais parler aujourd'hui de l'exacerbation aiguë au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique représente l'étiologie la plus fréquente des pneumopathies infiltrantes idiopathiques chroniques. Les données épidémiologiques nous viennent surtout des études japonaises et des États-Unis de l'Europe. L'incidence annuelle varie de 0,6 à 17,3 par 100 000 habitants. C'est la pathologie qui touche essentiellement le sujet de sexe masculin, le sujet âgé avec une moyenne d'âge de 66 ans. C'est la plus grave avec une médiane de survie qui ne dépasse pas les 3 ans, avec près de 80% des patients décèdent 5 ans après le diagnostic. Donc, le diagnostic de certitude repose normalement sur la biopsie pulmonaire chirurgicale qui met en évidence la pneumopathie, une pneumopathie interstitielle commune, mais actuellement avec les nouvelles recommandations, on se base sur une conjonction de critères cliniques et surtout scanographiques caractéristiques qui permettent de porter le diagnostic sans recours à la biopsie pulmonaire chirurgicale qui est très délétère chez des patients qui sont déjà très fragiles sur le plan respiratoire. Donc, des recommandations des sociétés savantes recommandent actuellement de porter le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique après exclusion des autres causes de fibrose, notamment les maladies de système, les origines, les toxicités médicamenteuses et un aspect scanographique caractéristique chez des patients qui ne sont pas soumis à une biopsie pulmonaire chirurgicale ou c'est la conjonction de spécifique de la probabilité diagnostique des données scanographiques et la probabilité diagnostique à l'histologie si la biopsie pulmonaire chirurgicale a été indiquée. Ici, je souligne l'importance des discussions de concertation multidisciplinaire qui associent les pneumologues, les radiologues et les anatomopathologiques pour porter le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. L'histoire naturelle de la fibrose pulmonaire idiopathique est très mal connue. Jusqu'alors, on considérait que la maladie évoluait de façon chronique, lentement progressive, aboutissant à l'insuffisance respiratoire chronique puis au décès. Récemment, on s'est intéressé à l'exacerbation aiguë au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique qui est une cause de détérioration aiguë de la maladie sur le plan fonctionnel et respiratoire sans aucune étiologie donnée et qui va conditionner le pronostic de la maladie avec une survie qui va être très médiocre. Toutefois, il y a des patients qui présentent une forme très rapidement évolutive d'emblée et c'est surtout les équipes espagnoles qui ont mis en évidence cette forme de la maladie. Donc, l'étude de Martinez illustre très bien l'impact pronostique de l'exacerbation aiguë dans le cours évolutif de la maladie. Ils ont repris 168 patients du bras placebo de leur étude sur l'interféron gamma. Et ils ont suivi cette maladie évoluée depuis à peu près une année. À 72 semaines de suivi, ils ont noté que 21,4% des patients décédés, que 89% des décès sont liés à la maladie, à la fibrose pulmonaire idiopathique, et près de 47% des décès étaient liés à une exacerbation aiguë. Toutefois, l'aggravation fonctionnelle était modérée, avec une capacité vitale forcée qui diminuait de 64,5% à 61% et une DLCO qui passait de 37,8% à 37%. Donc, ce sont les équipes japonaises qui étaient les premiers à définir l'exacerbation aiguë au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et c'est dans les années 90 que Akira et Kitaishi ont élaboré des critères pour définir l'exacerbation aiguë au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et ils ont retenu comme critère diagnostique l'aggravation aiguë de la dyspnée sur une période de moins de 30 jours, l'apparition de nouvelles opacités radiologiques diffuses à la radiographie du thorax, l'aggravation de l'hypoxémie et l'exclusion des autres causes d'aggravation respiratoire, notamment l'infection, l'œdème du poumon et l'embolie pulmonaire. L'aggravation de l'hypoxémie a été retenue sur un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 225 et une diminution de la PaO2 plus de 10 mm par rapport à l'état de base et dans les mêmes conditions de mesure initiale. Toutefois, cette définition pose un certain nombre de problèmes.
C'est surtout chez les patients qui ont une dyspnée qui évolue de plus de 30 jours et qui ont une hypoxémie qui est moins sévère. Avec toutefois, ils peuvent avoir le même aspect radioclinique et l'apparition est également histologique avec un dommage alvéolaire diffus et l'apparition de nouvelles opacités pulmonaires diffuses à la radiographie de thorax. Également, l'exacerbation peut être inaugurale de la maladie. C'est la première manifestation de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et on n'a pas donc de diagnostic antérieur et on n'a pas d'étude des gaz du sang antérieurs pour pouvoir juger de l'évolution des gaz du sang. Et bien sûr, ça va dépendre de la rigueur avec laquelle les autres étiologies de décompensation ont été effectuées. C'est pour ça que M. Collard a redéfini de façon plus récente l'exacerbation aiguë et en 2007, d'autres critères diagnostiques ont été énoncés et notamment on peut retenir l'exacerbation aiguë lorsqu'on a un diagnostic antérieur de fibrose pulmonaire idiopathique ou contemporain de l'épisode aigu. Également, on a retenu la même durée, l'aggravation ou l'apparition d'une dyspnée sur une durée également de moins de 30 jours. Et cette fois-ci, ce n'est pas une radiographie de thorax, mais ce sont des données scanographiques qu'on exige avec apparition de nouvelles opacités envers des polys et ou des condensations qui sont surajoutées à un aspect réticulé ou un aspect en rayon de miel qui sont compatibles avec une pneumopathie interstitielle commune. L'absence d'infection concomitante doit être objectivée par l'aspiration endotrachéale ou par le lavage bronchoalvéolaire et bien sûr l'exclusion des autres causes d'aggravation de la dyspnée normalement, notamment l'œdème du poumon, l'embolie pulmonaire et les autres étiologies d'SDRA qui sont des étiologies identifiées. Donc l'exacerbation actuellement est dite certaine si on a tous les critères qui sont présents. Et l'exacerbation, elle est dite suspectée si on a plus d'un critère qui n'est pas présent, notamment lorsque la dyspnée évolue de plus de 30 jours, si les opacités sont unilatérales, si on n'a pas fait de prélèvement péroendoscopique. Alors, qu'en est-il de la fréquence de l'exacerbation aiguë au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique? Plusieurs études se sont intéressées à ce sujet, et notamment c'est l'étude de Song et l'étude COFI, qui est la cohorte française, qui étaient les premières à donner l'incidence annuelle de l'exacerbation au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique. Song a retrouvé que l'incidence annuelle de l'exacerbation, elle était de 14,2% à un an, elle était de 18,8% à deux ans et de 20,7% à trois ans. Dans l'étude de la cohorte française, qui est une cohorte prospective, l'incidence annuelle était de 10,9%. Dans une mise au point qui est parue récemment en 2015 dans l'ORJ, ils ont repris les différentes études qui se sont intéressées à la fibrose pulmonaire idiopathique. Et ils ont noté que l'incidence elle variait selon les études de 1 à 20%. Cette différence et ces disparités dans l'incidence, en fait, elle était due à ce que les critères d'inclusion dans les études étaient totalement différents. Par exemple, dans l'étude STEP, qui est l'étude qui a étudié l'apport de la sildénafil dans la fibrose pulmonaire idiopathique, les critères d'inclusion étaient une fibrose pulmonaire idiopathique qui est sévère. Mais la majorité, on le note, ils ont noté une incidence à peu près de 10 à 15%, une incidence annuelle de 10 à 15%. La pathogénie de l'exacerbation, elle demeure mal élucidée. Toutefois, les différentes études se sont surtout intéressées que c'est un emballement du processus fibrogène qui s'emballe de façon spontanée ou sous l'effet de différents facteurs pneumodestructeurs, notamment l'infection, les virus, le reflux gastro-œsophagien. Et ceci a été très bien mis en évidence dans un papier qui est sorti, qui s'est intéressé à doser le taux de fibrocytes circulants chez les patients. On remarque que le taux de fibrocytes circulants était plus important chez les patients qui ont une exacerbation de la fibrose par rapport à l'état de base. Et ce taux était élevé chez les patients qui étaient en exacerbation au cours de la fibrose par rapport aux patients qui présentaient une SDRA. Et en fait, très important que le taux de fibrocytes circulants, il va diminuer chez les patients qui vont s'améliorer après l'exacerbation.
Sur le plan histologique, l'exacerbation donne souvent un aspect de dommage alvéolaire diffus, que ce soit à la phase exudative, que ce soit à la phase d'organisation, avec ou la présence de membranes hyalines. C'est le même aspect qu'on voit au cours des pneumopathies interstitielles aiguës, avec on peut avoir parfois un aspect de pneumonie organisée sans dommage alvéolaire diffus. Toutefois, la distinction elle est très difficile entre le dommage alvéolaire diffus à la phase d'organisation et les bourgeons endo-alvéolaires qu'on trouve dans la pneumonie organisée. Bien sûr, il y a les lésions sous-jacentes de pneumopathie interstitielle commune avec présence de foyers de fibroblastiques jeunes très importants et une notion très importante qui vient d'être sortie dans un nouveau papier en 2014 que un tiers des patients avaient des lésions d'hémorragie alvéolaire sans que ces patients étaient sous traitement anticoagulant. Alors, qu'en est-il des facteurs de risque de survenue d'exacerbation aiguë? La réponse a été donnée en partie par l'étude de Sank, qui a mis en évidence qu'il existe des facteurs prédictifs de survenue d'exacerbation chez les patients présentant une fibrose pulmonaire idiopathique. Ce risque, est, en analyse univariée, était plus important chez les patients ayant une fonction respiratoire altérée et des sujets qui sont tabagiques. Et en analyse multivariée, on retrouve ces mêmes facteurs de risque. D'autres facteurs de risque ont été aussi énoncés de façon plus récente, notamment un taux élevé d'un biomarqueur qui est le CLL18, qui est produit par les macrophages alvéolaires, un taux élevé à l'état de base du KIL6 et un IMC élevé chez les patients présentant une fibrose pulmonaire idiopathique. À côté de ces facteurs dits de risque, il y a des facteurs qu'on a trouvés déclenchant en fait l'exacerbation aiguë. Et dans l'étude de Sang dans l'ERJ, parmi les 16 patients qui ont présenté une exacerbation, 11 patients, ils ont subi une chirurgie thoracique et parmi eux, c'était 8 patients sous vidéo pour biopsie pulmonaire chirurgicale. Et d'autres aussi facteurs déclenchants qui ont été notés, notamment la réalisation d'un lavage broncho-alvéolaire. Donc, la chirurgie, une exacerbation a été notée chez 3,8% qui ont fait une biopsie pulmonaire chirurgicale. Et cette exacerbation, on a noté qu'elle était survenue entre 48 heures et 14 jours en post-opératoire. Elle peut être bilatérale, mais surtout, une fin très importante, elle va prédominer du côté qui est non opéré. 15 à 21% des patients ayant une résection pour cancer du poumon, ils ont présenté une exacerbation de fibrose pulmonaire idiopathique et fait très important le risque, il paraît plus élevé chez les patients qui ont une thoracotomie. Également, d'autres papiers ont fait sortir qu'un traitement par radiochimiothérapie ou par un traitement par l'interféron gamma, il peut déclencher une exacerbation de fibrose chez ces patients. Sur le plan clinique, l'exacerbation survient chez des patients dont la durée d'évolution de la maladie était variable. Ça peut aller de 1 mois jusqu'à 159 mois. L'exacerbation, comme j'ai déjà dit, elle peut être inaugurale et ça a été rapporté chez 15,76%. Elle peut être multiple avec au maximum 3 exacerbations successives et ça a été noté chez 28,6% dans l'étude de Simon Blancal dans Respiration en 2012. L'exploration fonctionnelle de base, elle est très variable avec une capacité vitale forcée qui peut aller de 28% jusqu'à 106% et une DLCO très variable également de 10 à 90,1%. La durée d'évolution de la dyspnée est également variable, c'est à peu près une dizaine de jours. Le tableau, il peut simuler un tableau de pneumopathie infectieuse, puisque jusqu'à 70% des patients, ils vont présenter une toux expectoration. Fait important dans l'étude de Simon Blancal, qu'elle note la présence d'une fièvre chez 23% des patients. On assiste également au cours de l'exacerbation une augmentation de taux de la C-réactive protéine, une hyperleucocytose à peu près 11 000 dans l'étude de Akira. Le taux de LDH il est élevé, une augmentation du taux de D-dimère et une augmentation du taux de pro-BMP chez 44% des patients. Fait très important dans l'étude de Simon Blancal qui s'est intéressée surtout à doser la procalcitonine et elle a trouvé qu'elle était négative chez tous les patients qui ont présenté une exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique.
Sur le plan imagerie, on note l'apparition de nouvelles images en verre dépoli dont la distribution elle va être variable. Elle peut être périphérique, multifocale ou diffuse. La forme périphérique, c'est la moins grave, avec une mortalité de 18%. Toutefois, les formes multifocales ont un pronostic intermédiaire et c'est les plus graves, ce sont les formes diffuses. Ici, c'est une représentation schématique du verre dépoli ou des condensations qu'on peut avoir avec l'aspect en verre dépoli qui est sous le rayon de miel en cas d'un pattern qui est périphérique. On a des localisations multiples en cas d'exacerbation avec un pattern multifocal. Et ici, le verre dépoli, il est étendu en cas d'un pattern diffus. Donc ici, on note également que l'exacerbation, on a plus de verre dépoli, plus de consolidation. Et dans l'étude de Akira, on trouve que le patinel périphérique il était le plus fréquent avec 58,6%. Dans 13,8%, c'était multifocal. Et dans 27,6%, il était diffus. Ici, ce sont quelques exemples de patterns scanographiques. Avec ici, c'est un verre dépoli qui est diffus. Ici, c'est un pattern qui est périphérique et vous notez très bien que le verre dépoli est juxtaposé au rayon de miel. Et ici, c'est un pattern multifocal. Toutefois, le pattern multifocal peut être le stade précoce d'un pattern qui est diffus. Ici, c'est un pattern qui est diffus. Quant à le lavage bronchoalvéolaire, sa réalisation n'est pas toujours facile et il est pratiquement pas réalisable dans ces conditions chez des patients dont l'état respiratoire est déjà grave. Il est surtout réalisé dans un but infectieux pour éliminer une étiologie infectieuse. Il peut montrer une hypercellularité avec une lymphocytose, une augmentation de taux de polynucléaire neutrophile et, chose très importante, on peut trouver des cellules épithéliales alvéolaire activé. Le diagnostic différentiel, il est très difficile à établir, surtout lorsque la fibrose pulmonaire idiopathique n'est pas antérieurement diagnostiquée, c'est-à-dire lorsque l'exacerbation elle est inaugurale de la maladie. Et dans ce cas-là, le diagnostic se pose essentiellement avec les autres étiologies des pneumopathies infiltrantes aiguës. Et dans ce cas-là, l'histoire clinique, la présence du prisme digital, les données scanographiques actuellement très caractéristiques de la maladie et l'histologie qui est rarement utilisé et réalisé. Et également, et ça se pose avec les autres, avec la pneumopathie non spécifique qui est parfois d'installation aiguë. Pour ce qui est du diagnostic différentiel, lorsque la fibrose elle est déjà antérieurement connue, alors se pose alors là le problème des autres causes d'utérioration aiguë de la fonction respiratoire. Et dans ce cas-là, ces malades-là, les investigations sont généralement de réalisation très difficile chez des patients qui généralement ont insuffisance respiratoire. Donc, ce qui a amené à la réalisation d'un bilan minimal devant une exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique. Et il n'y a pas de standard actuellement, mais on recommande le radiographie thorax pour éliminer un pneumothorax, un dosage des dédimères et le calcul de la probabilité clinique pour éliminer une embolie pulmonaire, un ECG avec échographie cardiaque et un dosage du NT pro BNP pour éliminer une insuffisance ventriculaire gauche. Mais le plus difficile dans ce contexte-là est d'éliminer une infection pulmonaire. C'est pour ça que Paris, dans les recommandations, un bilan minimal à réaliser devant une exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique pour éliminer une étiologie. Et dans la majorité des cas, on ne va pas attendre les résultats de ces différentes explorations, que ce soit pour démarrer un traitement antibiotique. Donc, si on reprend la cohorte de sang, on voit que parmi 461 patients qui ont été suivis pour fibrose pulmonaire idiopathique, 163 patients, ils ont présenté une détérioration aiguë de leur fonction respiratoire. L'exacerbation aiguë était dans 55,2% et pour les autres, dans 31%, c'était une étiologie infectieuse. Alors, pouvons-nous alors différencier entre infection, exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire idiopathique? Et si on compare ces deux populations, on va trouver que la durée d'évolution de la maladie était plus longue chez les patients qui faisaient de l'infection.
La présence de fièvre était plus importante, la durée des symptômes elle était plus rapide dans l'infection, on était un taux plus élevé de la CRP avec plus de lymphocytes et moins de neutrophiles. Et je souligne ici l'importance de la procalcitonine et de son dosage en urgence pour éliminer une infection sous-jacente et démarrer le plus rapidement le traitement antibiotique. Alors, quel est l'impact pronostique de ces exacerbations sur la fibrose pulmonaire idiopathique? C'est la principale cause de mortalité au cours de la fibrose. Jusqu'à 47% des décès lui sont imputés. C'est le plus puissant facteur prédictif de mortalité chez les patients présentant une fibrose pulmonaire idiopathique. À côté il existe des facteurs prédictifs de mortalité au cours de l'exacerbation. Et notamment, on a trouvé le meilleur facteur prédictif était le pattern scanographique, surtout le pattern diffus, qui est plus prédictif de mortalité. Un taux élevé de LDH. Et ici, je vous montre la survie chez des patients en fonction du pattern scanographique. Et vous notez ici en vert, lorsque le pattern il est diffus, la mortalité, le taux de mortalité il est plus élevé avec un taux de survie qui est moindre par rapport au pattern périphérique qui est en jaune. À côté de ce facteur prédictif, certains ont élaboré un score prédictif de mortalité en prenant en compte l'extension des lésions, l'extension du verre des poils et des condensations. Et ils ont trouvé qu'il était un très bon facteur prédictif de mortalité. Également, le délai d'instauration du traitement. Plus le délai d'instauration du traitement il est rapide, plus on a des chances de survie. Et dans l'étude de Simon Blanquel, ils ont trouvé qu'une durée d'instauration du traitement moins de 3 jours était prédictif d'une amélioration de survie chez des patients. Qu'en est-il alors du traitement? Il n'y a pas de recommandation à l'heure actuelle pour le traitement de l'exacerbation aiguë de la fibrose, mais chose très importante, actuellement, on sait qu'il y a un traitement qui pourrait prévenir la survenue de ces exacerbations. Et ceci est sorti de façon très récente dans le New England en 2014 et qui a mis en évidence l'apport de la nintedanib, qui est l'inhibiteur de la tyrosine kinase, qui est actuellement commercialisé aux États-Unis et prochainement en France. Il est indiqué dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et dans l'étude Impulsis qui a regroupé les deux études, ils ont montré que les patients qui étaient sous nintedanib, ils ont moins d'événements, moins d'exacerbations au cours de leur évolution. Et si on étudie en sous-groupe ces patients, plus la capacité vitale forcée était moindre, plus la fibrose elle était évoluée, plus l'amélioration, plus la prévention de risque de survenue d'exacerbation était moindre chez les patients qui sont mis sous ce traitement. Pour ce qui est de la perphénidone, au début, dans l'étude prospective multicentrique qui a étudié l'apport de la perphénidone dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, la survenue, elle paraissait prévenir la survenue d'exacerbations aiguës. C'est pour ça qu'en 2005, l'étude a été arrêtée par le comité de vigilance, tellement il y avait un effet très important de la perphénidone dans la survenue d'exacerbations. Mais malheureusement, de façon plus récente, dans les études plus récentes, on ne trouve pas cet effet escompté. Pour le traitement de l'RGO, en tout cas le traitement antiacide et particulièrement par les EPP, il réduit de façon significative le risque d'hospitalisation et des exacerbations au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais de façon plus récente, en 2015, on ne trouve pas cet effet. Toutefois, devant l'effet qu'il n'y a pas d'effet secondaire quand manifeste avec ce traitement, il peut être prescrit chez les patients présentant une fibrose pulmonaire idiopathique. Pour les corticoïdes, nous avons tous l'expérience d'amélioration sous corticoïdes des patients qui ont une exacerbation aiguë de fibrose. Mais toutefois, il n'y a aucune étude qui est bien conduite
quelques cas d'amélioration réelle. Des équipes, ils préconisent l'administration de bolus du solimédrol 3 jours de suite, puis une corticothérapie, mais on n'a pas d'études bien conduites pour valider ces résultats. Et j'insiste toujours sur l'importance d'un début précoce pour le traitement par les corticoïdes. Également pour les immunosuppresseurs, il n'y a pas d'études. On peut utiliser le cyclophosphamide ou le cyclosporine. Ici, en comparant les différents protocoles, il n'y a pas de différence significative entre les différents protocoles, que ce soit corticoïde plus immunosuppresseur, corticoïde seul, corticoïde avec un agent cytotoxique. Il n'y a pas de différence significative en termes d'amélioration. Pour les anticoagulants, il n'y a pas de données suffisantes concernant leur utilisation pour traiter l'exacerbation. Toutefois, des équipes françaises, notamment sur le GERMOP, qui est un groupe qui étudie les maladies orphelines en France, ils préconisent l'utilisation dans son protocole qu'on va voir. Également, quelques cas d'amélioration spectaculaire ont été publiés pour les patients, surtout des équipes japonaises qui ont utilisé la polymyxine en hémoperfusion. Ils ont noté une amélioration spectaculaire chez les patients. Également, le tacrolimus qui est un immunosuppresseur. Qu'en est-il de la réanimation? Est-ce qu'il faut envoyer ces malades en réanimation? Malheureusement, la mortalité est très élevée. Elle occasionne à peu près les 100% chez ces malades-là admis en réanimation. Le traitement ne doit être indiqué que si après décision avec le malade. Il faut impliquer le malade et surtout la privilégier pour les patients qui sont en attente d'une transplantation pulmonaire. Pour la ventilation non-invasive, on a très peu de données. Les séries sont de très petits nombres. Il y a des études qui ont noté une amélioration chez des patients pour éviter surtout, en fait, c'est pour éviter l'intubation. Par exemple, dans cette étude, ils ont inclus 11 patients. 4, ils ont été intubés. Tous les patients sont décédés. Cet patient, on a utilisé la ventilation non-invasive et on est arrivé à améliorer quand même 5 parmi eux. Ici, c'est le protocole élaboré par le GERMOP qui préconise surtout des bolus de solumédrol 3 jours de suite suivi d'une corticothérapie à dose dégressive, de la cyclophosphamide jusqu'à 4 mois, des HPPM pendant 15 jours. Pour le relais par le Syntran, il diffère selon les équipes et il recommande l'utilisation de la N-acétylcystéine associée. En conclusion, l'exacerbation aiguë, c'est une complication grave. Malheureusement, la mortalité est très lourde. Jusqu'à 47% des décès sont liés à la fibrose, avec une survie globale qui ne dépasse pas les 30%. Il y a intérêt à réaliser plusieurs études, que ce soit pour définir l'incidence ou les facteurs de risque. Actuellement, des protocoles d'études sont en cours pour le traitement préventif et pour le traitement curatif qui vont être élaborés d'ici la fin de l'année 2016. Je vous remercie.